Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie brute force en difficulté low. Donc ce sera la version facile. On va se rendre ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'installation de DVWA, je vous invite à aller la voir. Et sinon on est parti. Donc ici le but, comme son nom l'indique, c'est brute forcer cette page de login où on doit spécifier un username et un mot de passe. Donc ici, si je tente par exemple admin admin et que je clique sur login, ça me dit username and or password is incorrect. Donc, on n'y a pas accès. En fait, ce qu'on doit trouver, déjà, en théorie, ici, on n'a pas d'information si c'est le username qui est incorrect ou si c'est le password qui est incorrect. Si je tente quelque chose comme ça, avec quelque chose aléatoire, ça ne me dit pas si le username existe ou pas. Donc, déjà, ça, c'est une première protection. Ça aurait pu mettre d'abord, par exemple, username is incorrect ou username cannot be found, this user doesn't exist ou ce genre de choses. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, en théorie, on est censé faire du brute force à la fois sur le username et le password. Sauf que cette vidéo, sinon, risque d'être beaucoup trop longue. Donc, on va partir du principe qu'on connaît déjà l'utilisateur. Et dans 90% des cas, après, c'est à tester, c'est pas toujours le cas, mais dans 90% des cas, l'utilisateur qui existe, c'est admin. C'est l'utilisateur par défaut, l'administrateur qui a des droits, certains privilèges sur l'application. Et ici, ensuite, va falloir trouver le mot de passe. Donc, soit on part du principe qu'admin existe, soit parce que on tape sur un CMS où il y a des credentials par défaut sur lesquels on peut déjà avoir une vue et on sait que l'utilisateur admin est toujours présent par défaut. Soit peut-être qu'on a fait de l'énumération, on a fait de l'OSINT, on a fait des choses avant qui nous permettent de définir qu'il y a un utilisateur qui s'appelle admin. Par exemple, sur les WordPress, on peut lister directement les utilisateurs qui existent sans avoir besoin de les deviner. Donc ici, on sait que du coup, on a un utilisateur qui s'appelle admin. Mais maintenant, il faut trouver le mot de passe. Donc dans cette vidéo, on va voir trois méthodes différentes avec trois outils différents pour retrouver le mot de passe. Alors, les méthodes en soi seront les mêmes, c'est toujours du brute force où on va essayer toutes les possibilités de mot de passe jusqu'à ce qu'on trouve le bon, mais je vais vous montrer trois outils différents. Il y aura Burp Suite, il y aura Hydra et il y aura avec Fuf. Évidemment, il existe plein d'autres outils, et là je vous en montre que trois parce que ce serait infini, mais n'importe quel outil qui permet de faire soit du fusing, soit du brute force, soit de ce genre de choses, forcément fonctionnera et pourra être utilisé pour résoudre ce petit challenge. Donc, le premier, déjà, on peut tester en connaissant le mot de passe. Alors là, on part du principe qu'on est un peu en white box, c'est-à-dire qu'on a toutes les informations nécessaires. Si je tente password et que c'est le bon mot de passe, on peut voir que je suis censé arriver sur cette page Welcome, to the password protected area admin. Et on a une petite photo derrière. Ok. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc si par exemple je mets admin admin, ok, j'arrive dessus et j'ai ce message d'erreur. Avec Burp Suite, comment ça va se passer? Donc, on va avec notre petite application Foxy Proxy, on va activer le proxy avec Burp, donc ce qui est mis sur le 127.0.0.1, le port 8080. Hop, on arrive sur notre proxy, Burp Suite, on se met en interception on, on refait un test avec admin admin, on clique sur login et normalement on est censé intercepter. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que ça a relancé la même chose. Alors attendez. Hop, je vais faire tourner sur la page là, je vais l'enlever, je vais le remettre. Voilà, donc là on va se connecter sur admin, login, voilà. Et là on arrive à intercepter. Donc ici ce qu'on va faire c'est clic droit ou alors contrôle I et l'envoyer vers l'intruder. Hop, on clique dessus et on peut voir que maintenant il s'est mis en haut. Donc ça on peut enlever l'interception, ça ne nous intéresse plus. Et dans l'intruder, maintenant on va spécifier les champs qu'on va vouloir brute force. Ici on connaît déjà le username qui est admin, nous on veut brute forcer le password. Donc on va double-cliquer dessus, on va sélectionner le champ qu'on a mis, donc admin. On va cliquer sur Add. On peut voir que maintenant, il s'est mis en couleur et entre ces deux caractères spéciaux, on se laisse en mode attaque sniper. C'est-à-dire qu'ici, on va attaquer un seul set de payload, une seule position, qui est le mot de passe. Si on voulait tester le username ainsi que l'admin, on n'aurait pas utilisé sniper mais autre chose. Donc là on est bon, on va se rendre maintenant dans payload, on va garder donc payload 7, il y a une seule position pour notre mot de passe, c'est ici, c'est admin. Ok, payload type, nous on veut juste une liste et on va charger une word list
sur laquelle on va tester, enfin pour laquelle on va tester des mots de passe. Donc on va aller dans User Share Wordlist, alors W Wordlist, on va aller sur notre ami Secklist, on va chercher du fusing, donc de password, et dedans on va chercher par exemple, je vais prendre que le top 100 parce que ça sert à rien de charger beaucoup trop, surtout que, ouais, donc là on a les passwords, les 100 passwords, on va dire les plus utilisés d'une certaine wordlist, donc là c'est bon, on les a chargés, là on n'a rien besoin de modifier, ressource pool, on laisse comme c'est, les settings on laisse comme c'est, et à droite on peut lancer l'attaque. Alors ici, comme on est en version community, normalement le brute force sera assez lent, enfin au début il est assez rapide, mais au fur et à mesure que le temps passe, on est vraiment limité au niveau du nombre de requêtes par seconde qu'on peut faire. Dans la version pro, ça c'est débloqué, donc il n'y a pas ce souci-là. Mais ici, si vous avez une wordlist par exemple de 1000 mots, ça va vous prendre facilement un quart d'heure. Mais ici, bon, comme on a que 100 passwords à tester, et qu'on sait que le nôtre est suffisamment simple, ça devrait suffire. Start Attack, on nous dit que c'est quand même la version, la community version, et du coup que il y a certaines fonctionnalités qui sont désactivées. Donc comme par exemple, là c'est ce que je viens de vous dire, le temps de scan est limité, c'est-à-dire que on peut pas brute forcer autant qu'on veut. On clique sur OK, et là on peut voir toutes les requêtes qui sont faites. Paf, 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 paf. Donc elles ont toutes effectivement le statut de 100. Hop, on va agrandir. Je ne peux pas agrandir. D'accord, je ne peux pas agrandir. Je vais l'agrandir manuellement. Voilà. Donc elles ont tous le code de 100. Donc là, on peut se dire, OK, bah, on ne sait pas du coup lequel est le bon. Sauf que si on va voir dans les réponses, par exemple la première, si on cherche, on sait que nous, le message d'erreur qu'on a, c'est username and password incorrect. Du coup, on peut sélectionner par exemple incorrect et rechercher incorrect. Donc là, on peut voir que c'est le cas. On peut même cliquer sur auto-scroll. Ça veut dire que maintenant, si on va ici, paf, voilà, ça va scroll automatiquement jusqu'au terme qu'on recherche, donc incorrect, 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 ainsi de suite. Et on peut voir que ils n'ont pas tous, les réponses n'ont pas tous la même longueur. Si on trie, on peut voir que il y en a beaucoup qui ont 46 042, 46 043, et c'est tous des erreurs incorrectes. Et si on va tout en haut, alors ceux-là, c'est ceux qui sont encore en train d'être testés, donc forcément que ça change. Si on va tout en haut, on a un payload qui s'appelle password, donc il a testé le mot de passe password, et on peut voir que sa taille est légèrement plus grande que tous les autres. Si on clique dessus, là on peut voir que ça auto-scrolle pas directement sur l'incorrect parce qu'il n'a pas trouvé incorrect. Donc ça veut potentiellement dire qu'on a trouvé le bon mot de passe. On descend, on descend. Donc là c'est vraiment le truc de base, brute force, ok. Et là on voit Welcome to the password protected area admin. Donc là, on a réussi à trouver le mot de passe via le brute force et on a vu que c'était bien password. Donc, une fois qu'on a ça, on peut tenter de se connecter avec admin password et on a réussi à trouver le mot de passe. Donc, voilà, ça c'était l'exemple assez rapide avec Burp Suite. Ça maintenant on peut fermer. On peut voir que tout a été fini. On peut retrier, hop, et que password c'est toujours celui qui est tout en haut. Alors là, c'est vraiment que la version classique avec Burp Suite. Il y a moyen de paramétrer, de faire des regex par rapport à la réponse pour définir si notre message de validation est déjà dedans, pour exclure tous les autres. Voilà, on peut faire des filtres assez poussés. Là, je vous ai vraiment montré la version basique où on brute force et après on cherche manuellement avec la taille des réponses et le code de retour. Maintenant, donc là on peut discard, on peut quitter ça, on s'en fout. Hop, Burp Suite. On n'en a plus besoin, on le met de côté, on peut même enlever le proxy. Et maintenant, on va voir comment ça se passe avec les autres outils. On va utiliser pour commencer Hydra. Hop, donc je suis sur mon exégol. Hop, je reviens là. Alors Hydra, c'est un peu problématique. Alors je ne vous le conseille vraiment pas, soit de le faire via Burp Suite, soit vous le faire, on verra après avec FUF ou WFuse ou ce genre d'outils. Parce que Hydra, et on a tendance à trouver beaucoup de faux positifs avec. Il est assez compliqué à utiliser, donc je vous conseille vraiment d'utiliser un autre outil, mais on va quand même le voir parce que ça peut être utile dans certains cas. Donc l'outil s'utilise comment? Hydra. On connaît l'utilisateur, donc on va faire un petit -l, on sait que c'est admin. Et ensuite, on va préciser donc la wordlist qu'on veut utiliser avec un grand P.
Donc nous, on va faire user share wordlist proq, hein, on va pas s'embêter. Ici, on ne sera pas limité comme un mec de Burpshoot au niveau du nombre de requêtes par seconde qu'on peut faire. Enfin, si, il y a une limite, on va dire, théorique, mais ce n'est pas l'outil qui va nous bloquer de lui-même. Donc on peut utiliser une grosse wordlist, ça risque pas de poser problème. Avec Burpshoot, c'est beaucoup plus compliqué. On va spécifier ensuite l'host sur lequel on va faire notre brute force. Donc c'est ici, notre adresse IP. Hop, voilà. On va préciser le port de l'application. Donc par défaut, si on tombe à rien, c'est le port 80, mais nous, on peut voir que c'est le port 4280. Donc on va faire un tiret S pour spécifier le port 4280. On veut faire du brute force. On a vu que ici c'est une méthode get parce que toutes les informations sont passées directement via l'URL. Donc tous les paramètres sont passés en méthode get. Donc on va faire http-get form. Donc on veut brute forcer un formulaire qui envoie des données en get. Voilà. Et ensuite, là c'est la partie un peu plus compliquée. On va devoir spécifier plusieurs valeurs. La première valeur, c'est la page vers laquelle est appelée les informations. Ici, on peut voir que quand on clique, on teste Toto, on clique sur Login, les informations, on reste sur la même page. Là, on peut voir qu'on a le dièse qui signifie qu'on fait appel de nouveau à la même page. Donc, la page, c'est la suivante. Hop. On peut le voir également d'une autre façon. Si on regarde le code source, là, on clique sur Inspect. Dans l'inspecteur, on peut voir Action. Action, c'est-à-dire qu'en méthode get, on va appeler la page actuelle. On réappelle de nouveau la page actuelle, enfin on rappelle plutôt la page actuelle, qui est celle-ci. Donc, ça c'est l'équivalent en fait que si c'était index.php, je crois. Voilà, c'est exactement la même page. Donc, on peut préciser soit juste comme ça, soit index.php, ça revient au même. Ensuite, on met deux petits points pour séparer, pour dire, ok, là on a spécifié l'URL. Ensuite, on va spécifier les données envoyées. Ensuite, on va spécifier les cookies et potentiellement le message d'erreur. Okay. Donc ici, maintenant, on va spécifier les données envoyées. Pour que Hydra fonctionne, il y a deux choses à spécifier, le username et le password. On va spécifier username pour savoir la tête qu'il a. Encore une fois, soit on regarde, hop, on retourne dans l'inspecteur, soit on peut voir que ici, il y a trois inputs qui sont envoyés. Il y a username, il y a password et il y a login. Et on les retrouve également dans l'URL. On peut voir qu'il y a username qui est envoyé, il y a password qui est envoyé et il y a login qui est envoyé. Donc on va devoir spécifier ces trois champs qui sont envoyés. Donc username est égal à quelque chose qu'on veut brute forcer. Donc pour savoir ce qu'on veut brute forcer, on va spécifier ceci. User, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, la variable user, tu me la remplaces parce que j'ai spécifié dans la ligne de commande avec l'option -l. Donc user, ça va être remplacé par admin. Okay. Ensuite, on continue. Password. Password est égal à quelque chose. Donc là, vous comprenez le principe, on va refaire exactement la même, mais avec le mot-clé pass. Et là, ça va nous dire, ok, maintenant, tu vas me remplacer ça par chaque terme, par chaque mot qui est précisé dans la wordlist qu'on t'aura donnée. Donc au début, par exemple, il va tester admin. Donc username est égal à admin et password est égal à admin. Ensuite, username est égal à admin et password est égal à, je sais pas moi, Toto. Username est égal à admin et password est égal à data, ainsi de suite. Et comme ça, il va brute forcer tout ce qu'il y a dans notre fichier qu'on lui a passé en paramètre qui est requ. Mais on doit également lui passer le dernier paramètre qui est login. Donc est login qui a la valeur de login. Donc ça, c'est comme ce qui est indiqué ici, on ne va pas changer son information. On va voir que par défaut, la value qui est envoyée, c'est login. Donc on va rester ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Ensuite, deux points pour repréciser qu'on veut rajouter quelque chose d'autre. Et ici, on va mettre le message d'erreur. Donc là, on va préciser à Hydra en mode si tu trouves ce message d'erreur dans le code source de la page, ça veut dire que l'utilisateur, en tout cas les credentials que tu as testés, ne sont pas corrects. Et du coup, tu vas continuer. Le message d'erreur, on l'a ici. Donc c'est vraiment à partir de là que ça peut poser problème parce que Hydra, quand on met le message d'erreur, des fois, il n'arrive pas à trouver exactement ce message dans le code source et il peut nous remonter des faux positifs. Donc c'est pour ça que c'est assez problématique. Donc on va préciser F égale. Donc là, c'est en mode fail. Si jamais le message d'erreur, donc fail message,
est égal, alors non, c'est pas ça, hop. On va mettre comme ça, donc toujours garder avec les espaces, on prend exactement tout le message d'erreur, on fait juste un gros copier-coller, et maintenant on va lui préciser également, donc toujours on resépare l'autre information, et on va lui préciser les cookies de session, et enfin les différents cookies qu'on utilise, parce qu'en fait le problème c'est que là vous voyez on est connecté, on s'est connecté, donc on a des cookies de session qui sont actuellement utilisés, mais le problème c'est que lui, Hydra, il est bête, c'est-à-dire que si on lui donne juste l'URL, il va tenter de brute force, mais il n'est pas connecté à l'application. Du coup, lui, il va tenter d'envoyer cette requête, mais comme s'il était déconnecté, c'est-à-dire que lui, il arrive sur cette page, il tente d'accéder, mais on peut voir qu'il est redirigé, parce qu'en fait, lui, il n'est pas connecté de base. Donc, va falloir lui donner les informations de connexion pour qu'il puisse faire la requête, voilà, en étant connecté. Pourquoi on l'avait pas fait avec Burpsuit? Parce que Burpsuit, il est un peu plus intelligent, et en fait, par rapport aux données qu'on envoie, lui, il a déjà réussi à récupérer tous les cookies de session, donc on n'a pas eu besoin de lui préciser. Brute force, alors attendez, je revérifie qu'on est toujours en lot. Ouais, brute force, on est bon. Donc là, pour préciser les cookies, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout bêtement, hash, pour lui préciser les headers, qui sont en fait les cookies, égale. Donc, cookie, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre bah, PHP SESSID, hop, qui est égal à la valeur qu'on a ici. Voilà. Et on va les séparer avec un point-virgule. Et on va mettre également security qui est en low. Security est égal à low. Et là, normalement, on devrait être bon et on a toutes les informations. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos, j'imagine qu'il y a des. Alors, Hydra get form. Et des cheat sheets qui existent. Voilà, Hydra cheat sheet, vous aurez plein d'informations. Il y a plein de sites de GitHub qui répertorient comment utiliser Hydra de manière optimisée. Donc là, il donne quelques exemples. Il l'a également fait en PDF. Alors, je ne sais pas s'il y a tout ici, mais il donne quelques exemples de choses qu'on peut utiliser. Alors, Hydra, c'est assez mal documenté. La documentation officielle, il n'y a presque rien dessus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une page d'aide. Donc c'est vraiment par rapport aux infos que vous allez trouver et en testant par vous-même que vous réussirez à faire des choses avec Hydra. Mais ouais, je c'est vraiment pas l'outil que je recommande. Ici on va le lancer, on va voir si ça fonctionne. Ça peut prendre un peu de temps. On peut voir starting, ok. Donc là il va faire tous les brute force. No valid optional parameter given f, parfait. Donc lui il reconnaît pas le f. Pourquoi? F égale. Alors attendez. Vulnerabilities, username. Bon, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé pourquoi ça voulait pas. Ok, c'est bon. Donc, en fait, pourquoi ça fonctionnait pas? Parce que on peut voir que ici, je l'avais mis le F, je l'avais mis à ce niveau-là, alors qu'il faut tout le temps le mettre en dernier. C'est un paramètre qui doit être positionné tout à la fin. Donc, comme, hop, attendez. Voilà. Comme ceci, hop. Il faut que le F soit tout à la fin, donc le message d'erreur. Si on fails, on devrait trouver ça dans le code source. On lance, et on peut voir que c'est extrêmement rapide, parce qu'on a directement un match positif qui nous dit qu'il a trouvé les credentials, qui s'appellent admin et password. Donc, grâce à Hydra, on a réussi, on peut retester, mais de toute façon on l'avait déjà testé avant, admin, password, on a réussi, et on s'est connecté, on a trouvé avec l'outil Hydra. Maintenant, on va faire avec fu. Alors, avec fu, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on va juste prendre toute l'URL complète. Hop, ça, on va remettre en haut. On va appeler fuf. On va faire un tiret C pour lui passer la couleur. On va faire un tiret U pour lui passer la target. On va coller bêtement tout ce qu'on a là. Alors, on va enlever les anti-slash parce que ça a posé problème. Ça, c'est à chaque fois quand on fait un copier-coller à cause de ZSH. Et des sages qui n'aiment pas qu'on copie-colle des trucs comme ça. Voilà, donc là on est tout bon. L'URL classique. On va juste. Donc le username, on sait que c'est admin, on ne va pas le changer. Juste le password. On ne veut pas tester un mot de passe password. On veut tester plein en fonction de notre wordlist. Donc on va remplacer par le mot-clé fuse. Ça veut dire que ici, fuse va être remplacé à chaque fois par chaque ligne, chaque nouveau mot de notre wordlist qu'on va utiliser.
On va utiliser la même wordlist, user share wordlist requeue. Voilà. Et ici, on va spécifier les informations à envoyer à FUF. Alors, comme on l'avait vu précédemment avec Hydra, on est obligé d'envoyer quand même les cookies de session. Et ça se fait avec l'option -B. Donc, on va refaire exactement la même. On va même pouvoir, je pense, reprendre exactement la même chose. Donc, PHP session et security law, comme ça. Là, on n'a pas besoin de préciser cookies, c'est déjà que c'est les cookies qu'on envoie. Donc, PHP SESSID ainsi que security law. Et on peut envoyer ça comme ça. Alors, vous allez voir que ça va poser problème. Pourquoi? Parce que, voilà, on a défaut positif. Parce qu'en fait, on n'a pas précisé de message d'erreur. Et en fait, tous les codes retournent un statut 200. Donc pour lui, tous les codes sont bons. Il arrive à tout fuser. Mais on sait que, en fonction de si on a le bon username ou pas, ça ne va pas être le même message de retour. Et du coup, la page, la longueur de la réponse de la page sera différente. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter une option -fs pour faire en sorte de filtrer sur la taille de la réponse. Donc là, si on fait un FS 4290, ça veut dire que on va ignorer tous ceux qui sont de taille 4290. Parce qu'on sait que tous ceux qui sont en 4290, ce sont des faux positifs et que ce ne sont pas les bonnes valeurs. On va relancer. Et là, on va voir que normalement, assez rapidement, alors ici, il ne le trouve pas. Voilà, s'il l'a trouvé, on va voir qu'assez rapidement, on a trouvé password qui était le mot de passe qui avait un size différent. Alors là, ok, bon, il y a des insultes, parfait. D'ailleurs, est-ce que ça c'est un faux positif? 38, c'est un autre message d'erreur. Enfin, c'est pas la même size. On peut voir que le pareil, le nombre de mots est différent. On peut essayer, mais normalement, ça devrait pas fonctionner. Si je remplace ici et que je mets ça. Alors non, du coup. Hop. Normalement, c'est un autre faux positif, on peut voir que voilà, en fait, bah juste il se passe rien, alors qu'avec password, si je le remplace, ça fonctionne. Donc voilà, on a vu une autre façon également de brute forcer directement avec FUF. Alors voilà, j'ai juste oublié de vous montrer qu'ici on pouvait avoir également le code source. Du coup, le code source, quand on clique dessus, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre et on voit la chose suivante. Donc, comment ça fonctionne? En fait, la page de login, c'est on regarde. Si dans on a le paramètre login qui est spécifié, ici on peut voir que quand on fait une requête, par exemple admin, le login là il est spécifié, donc c'est bon, on peut rentrer dans le premier if. On va récupérer le user, qui est en fait le paramètre username qui est ici. On va récupérer le mot de passe qui est ici. On va le hasher en utilisant MD5. Et ensuite on va faire une requête à la base de données pour vérifier que l'utilisateur qu'on a passé est le mot de passe haché et dans la base de données. Si c'est le cas, alors on dit welcome. Et si ce n'est pas le cas, eh ben on dit login failed, machin, et on affiche le message d'erreur. Là, vous remarquerez alors que normalement il y a déjà une vidéo qui a été faite sur les injections SQL. Mais ici, vous remarquerez que le user input n'est pas vérifié à aucun moment et on n'utilise pas de statement prepare. Donc ici, la requête est potentiellement vulnérable et on peut le tester facilement. Ici, si par exemple je mets juste une single quote, que je clique sur login, j'ai effectivement une fatale erreur, un message d'erreur de MySQL qui m'est renvoyé. Donc ça sent vraiment pas bon, ça sent l'injection SQL, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais sachez que là, il y a une injection SQL ici également dans le brute force. Donc vous pouvez vous amuser par rapport à ça. Et vous pouvez également accéder au code source. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et on se retrouve pour la prochaine. Allez, bye bye.